Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment gagner de l'argent sur un site de trading qui s'appelle Derive.com. Derive.com, c'est un site de trading là où vous pouvez mettre un peu de l'argent, vous entraîner et utiliser cet argent pour trader soit les indices synthétiques, soit le forex, soit les volatilités et les stocks. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, c'est un lien affilié qui me permet de gagner 1 $ lorsque vous allez faire votre premier dépôt. Donc, si vous voulez me soutenir, vous passez par mon lien. Si vous n'avez pas encore de compte, bien sûr, si vous avez déjà un compte, ouvrez juste votre compte Derive et on va mettre en place la stratégie. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous venez là, vous cliquez sur français et sur français, vous allez sur ouvrir un compte démo. Vous entrez votre adresse mail là, j'accepte les conditions d'utilisation que jamais personne ne lit. Les conditions d'utilisation ici veulent dire quoi? Si vous déposez par exemple avec une carte bancaire, vous allez retirer par la carte bancaire. Si vous déposez par Skrill, vous retirez votre bénéfice par Skrill. Si vous déposez en crypto, vous allez retirer en crypto. Et le retrait peut aller de 12 heures jusqu'à 5 jours ouvrables. Bon, c'est ce genre de choses qui est décrit ici dans les conditions générales. Et il y a certaines choses également comme les volatilités qui ne sont pas disponibles dans les pays européens. Ça fonctionne juste en Afrique, en Amérique et en Asie. Donc, vous mettez votre adresse mail là, cliquez sur créer un compte démo, ça envoie un mail de confirmation dans votre boîte mail. Vous cliquez dessus et par la suite, vous mettez un mot de passe bien compliqué et c'est tout quoi. Il y a certains pays dont la vérification n'est pas obligatoire et dans d'autres pays, la vérification est obligatoire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous aurez ici un compte démo qui va vous donner dans les 10 000 $ pour vous entraîner avant de passer au réel parce que le trading c'est dangereux, vous pouvez perdre beaucoup de l'argent ici comme vous pouvez aussi beaucoup en gagner. Donc vous vous entraînez suffisamment avec votre compte démo avant de passer au réel. Pour passer au réel, c'est de cliquer là et de venir sur réel account. Là vous pouvez aller sur ad et vous allez prendre un compte par exemple en euros, en dollars, en livres sterling. Vous pouvez aussi créer des comptes en Ethereum, en Bitcoin, en tout ce que vous voyez là, vous créez dans le compte et vous utilisez pour déposer de l'argent. Bon, moi, c'est plus simple. J'utilise beaucoup plus la carte bancaire pour recharger. Je recharge en Visa et je retire également en Visa. Donc, lorsque vous venez là, par exemple, sur compte euro ou dollar, vous allez sur déposite. Vous allez avoir plusieurs options de dépôt. Par exemple, là, vous avez les cartes bancaires. Ici, vous avez Skrill, vous avez Perfect Money. Beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, on utilise ça. Webmoney pour les Russes et ceux qui sont proches de la Russie. Il y a également les Neteller et tout ce genre de paiement que vous voyez. Et également, vous pouvez encore avoir les dépôts en crypto. Ici, vous pouvez déposer en crypto et convertir même en dollars ou en euros. Et vous pouvez aussi acheter. Vous pouvez acheter via un agent. Vous pouvez venir ici en P2P. Vous dites, OK, vous voulez acheter à un agent qui est dans votre zone. Ça va vous montrer des personnes qui vendent dans votre pays en P2P, c'est-à-dire vous leur faites le dépôt mobile et puis ils vont s'occuper de recharger votre compte. Bon, ce n'est pas encore très développé, mais c'est aussi une probabilité. Lorsque vous avez déposé en crypto-monnaie, vous pouvez venir ici sur transfert et vous allez transférer par exemple de Bitcoin en dollars, de Tether en Bitcoin, tout ce que vous voulez, c'est possible. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une méthode très simple. Et petite parenthèse, la stratégie que je vous montre est donnée plus en détail dans ma formation qui est en description de cette vidéo. Le premier lien vous permet de vous inscrire et le second lien vous permet d'accéder à ma formation qui coûte à peine 50 ou 55 $. Mais vraiment qui va vous montrer les stratégies de trade qui vont vous épargner des pertes d'argent inutiles. Parce que plusieurs personnes voient des vidéos et ils se disent que les vidéos YouTube, je vais me former avec. Il y a des secrets qu'on ne peut pas partager dans des vidéos gratuites YouTube. Il y a des astuces qu'on ne peut pas partager. Donc, on montre juste l'essentiel. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus en profondeur, prennent la formation, ils vont voir d'autres stratégies, d'autres astuces, des meilleures heures pour trader et ils pourront gagner vraiment beaucoup de l'argent. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur la volatilité 25 index. Vous savez, les volatilités ne sont pas disponibles dans les pays européens. Pourquoi? Parce que les lois européennes sont trop complexes en ce qui concerne les volatilités, les boom et crash comme ça. Il y a trop de choses à faire pour que ça passe. Du coup, certains sites de trading abandonnent et ils proposent en Europe juste le forex. Le forex est universel. Mais les gains sont aussi beaucoup réduits sur le forex. Pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie et aux États-Unis, au Canada, vous avez les indices synthétiques. Et c'est la volatilité 25 qu'on va trader aujourd'hui. Quand on clique sur volatilité 25 index,
On voit là, volatilité 25 index. Il y a plusieurs volatilités. De toutes les façons, lorsque vous savez trader, vous savez trader. On va aujourd'hui utiliser la tendance générale du marché. Vous voyez, depuis par exemple midi, depuis l'après-midi, le marché est en train de décroître. Et lorsque vous venez sur une tendance comme ça, vous n'allez pas inverser la chose. Vous allez venir juste ici, vous allez mettre le nombre de minutes qui vous arrange. On va mettre là par exemple 10 minutes. Et le solde qui est là, on ne va pas placer tout notre argent sur le marché. On va par exemple dire là, on place des trades à 20 dollars, 10 minutes, on va utiliser le raise and fall et on va utiliser la technique du ressort. La stratégie du ressort, c'est une stratégie que j'ai développée et j'ai partagée tout en profondeur dans ma formation qui est en description. C'est une stratégie qui vous permet de faire minimum 10 dollars le matin et 10 dollars le soir. Ok, vous voyez, on n'est pas venu à la fin de notre vidéo. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, on était dans les 200 dollars et en moins de 10 minutes, on a fait 33 dollars juste en utilisant les petites poussées du marché, les petits ressorts qu'on a pu observer ça et là. Et c'est cette stratégie que je partage avec vous. Bien sûr, j'ai pas validé tous mes trades. Personne ne va vous dire que le trader, c'est celui-là qui fait 100% des trades gagnants. Vous voyez, parmi la dizaine de trades que j'ai fait, je me suis loupé à deux endroits. Mais l'essentiel est là. Le bon trader, c'est celui-là qui pousse son solde vers le haut et petit à petit se fait des bénéfices. 33 dollars comme ça en moins de 10 minutes, en moins de 15 minutes, vraiment, on ne va pas aller cracher dessus. Donc, une fois de plus, si vous voulez trader comme moi, premièrement, ayez un sang-froid. Deuxièmement, sachez les meilleures heures. Troisièmement, ayez la lecture du trading. Quatrièmement, prenez la formation qui est dans la vidéo. Vous aurez tous les secrets, les astuces. Et puis, vous allez passer à l'action. Et puis, vous allez vous faire de l'argent. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Lâchez un like, abonnez-vous. Et sur ce, on se voit à la prochaine.